T'es Mac 560, AK 47, te dis hello. Brr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 r
Doom Boy. Vas-y, t'inquiète. Bah, de toute façon, j'ai ton numéro, t'as mon numéro. Ça dit quoi, Vidoban? Vas-y, bon, on se rappelle plus tard. Moi, je vais y aller là. Ça dit quoi? Vas-y. Vas-y, ça dit quoi, Northwood? Ouais, ça va, et toi, ça dit quoi, Brignol? Avec du lait cool. De quoi? Brignol, ça dit quoi? Northwood. Ah, mais on a quoi? Mais j'ai rien, tranquille, ça va, hein, la famille, tu connais. Calme un peu, hein. C'est toi, tu vas faire. Bah non, c'est toi qui vas faire. Oh, mon frère, il va te retrouver, il va te faire le cul, hein. Ouais. Missy, ferme ta gueule. Ouais, ferme ta gueule. Ta gueule, toi. En vrai, il a raison. Mais non, mais toi aussi, ferme ta gueule. Mais tu crois? Oh la droite. Alors, toi, la tête de ma mère, regarde bien. Meuf, pas meuf, je vais te charcler. C'est moi qui vais te baiser, en fait. J'espère elle te fume. Moi, je dis, ses frères, c'est des Crips. Loupé, hein. Grosse victime. Alors là, voilà, c'est comme ça chez les Johnson. Oh lolo, j'avoue que t'as cherché pour le coup. Oui. Ah, tu fais l'homme avec moi. T'as lancé une chaussure de basket. Tu vas dire ça à mes frères. Une chaussure de basket. C'est qui, on les baise, ton frère. On les baise. J'en ai trois frères. Ouais, trois bouffons. Ouais, tu vas voir les bouffons ce qu'ils disent. Merci pour la paire de chaussures. Je voulais lancer une blague. Moi, je vais m'occuper de lui. Moi, je vais m'occuper de toi là. Viens parler à toi. Allez, viens là. T'es fou quoi, toi? Oh, bon, comment je cherche? Ouais, je crois. Oh, John Cena. Oh, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Voilà. Capture pour lui. Voilà, bien fait. Voilà, tu l'as mérité, ça. Ah ouais. Fais quand masque, tu t'es fait niquer par un homme. Par contre, moi, je vais me courir plus tard. Et au revoir. Au revoir. Vas-y, Benda. Bunda. C'est qui tes grands frères? C'est des Crips. C'est mes frères. C'est qui tes frères? Bah, c'est mes frères, c'est Yumbi, Jet et Sean. C'est bizarre, j'en connais aucun des droits. Bah. Des droits. Des droits. Alors, comment t'expliques ça, hein? Oh, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pourquoi? Parce que ce qui est grand frère, c'est des choses. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, dis-le, c'est parce que t'as jamais eu affaire à eux. Et quand tu vas avoir affaire à eux. T'as vu ta mère là? C'est que. Bah, ouais, bah, claque comme ça là. T'as vu? Ah ouais? Moi, je pense pas. Ouré. Quand je vais te mêler ta mère, je vais lui faire une prise de. Une prise de catch, une prise de cul dans sa daronne la pute. Je vais le rapporter. Ouré. Oh, mais wesh, ta mère la pute. Voilà, à terre. Non, c'est trop tard. Attends. Oui. Est-ce où les danses TikTok? Oui. C'est... Ah ouais. Moi je vais dire un truc, s'il y en a bien une de nous deux qui va finir à quatre pattes, c'est bientôt. Bah non, clairement pas. Ah ouais. T'as vu, je vais faire un TikTok. Tu connais? Oui, tu vas faire tuk-tuk. Je vais faire tuk-tuk, tu connais? Ouais. Ah, c'est ça? Bien sûr que je connais. Ah, c'est quoi ça, wesh? C'est dans Fortnite. Oh, mais wesh, c'est incroyable. Ouais. Attends, mais elles sont dans l'ordre ou pas? Je sais pas. Incroyable. Mais c'est pas possible, mais ça. Femme. Non, pas trop non plus. C'est pas de la drill, ça, défoncé, frère. Oublie pas le coup d'extincteur que j'ai mis. Quoi ça? Bah, le seul truc que je peux faire, c'est avec ma mèche si je lui crève un pneu. Coup de mèche! Oh, pardon. Mais ils ont fait pour intégrer cette danse. Je m'avais exprès. Aïe! Oh, la victime! T'es ma pute de fou. Giga victime. Honte. Trop la honte. Viens, on se casse. Mais non, mais vous allez vous frapper une heure, vous deux. Ça fait une heure. Ça y est, cousin, arrête. Ah, non, Laisse-moi tranquille, toi. Oh, Y'a Zabbé. Oh, c'est que t'as pas ça que je voulais. Non, mais elle s'est refait coucher.
Ici c'est les hommes. Oh let's go. Wouhou. Eh que j'en sens super bien. Ouais t'as vu ça mon gars. T'as fait ça depuis petit peu. Ton style de danse ça s'appelle comment? Quoi? Eh ça s'appelle comment ton style de danse? Ah mon gars je préfère du breakdance pour apprendre ces pas là. Quoi? Ah c'est donc du breakdance? Ouais c'est bien ça. Eh que je peux vous prendre ton numéro? Tu m'apprends le breakdance une autre fois? Avec mon frère? Ouais c'est 4 mon gars. Ah vas-y. Oh, ouais, meurt, lave-toi les yeux, frérot. Vas-y, note. Vas-y. Ah, comment à quel nom? 5-5-5. 65-19. T'es un petit bâtard, toi, quand même. Hein. Ah ouais? Toi, là, vite, moi, me parle plus. T'as vu, je comptais te faire une dédicace dans mon son. Excellent, donc, comment ton prénom? Doughboy. T'es deg, hein. Ouais, t'es deg, hein. Vas-y, mon gars, appelle-moi. Ouais, t'es deg. Eh, toi. C'est bon, stop. En fait, tu te bats avec une fille, alors c'est pire. Ouais, même droit. Fais-moi des dédicaces à moi, frère. J'ai jamais entendu une dédicace de Doughboy ou autre. Non, c'est déjà normal, que tu m'as inconnu au quartier. Eh, Doughboy, je t'appelons pour le breakdance. Ouais, c'est qui ouais, tu m'appelles, mon gars. Salut. Ouais. Désolé, je voulais pas faire mal. Ça va, cousin? Ça allonge génial, et toi? Ouais, ça va, super. Vas-y, viens, on y va, Moussi. Vas-y, on y va. Toi, t'es un martable. J'ai pas dit moisi. Vas-y, mon poteau, bisous. On se pète. Mais si, c'est quoi ton numéro? Vas-y, mon pote. Eh, dis-le, je peux te demander un service, s'il te plaît. Ouais, dis-moi, bah, pourquoi tu veux mon numéro? Parce que j'ai envie de te faire un boulot. Chez moi, parce que j'ai trabajo. Un trabajo. On est deux, là. En espagnol. Ah, merde. Non, en fait, vu ce que tu m'as dit là, non. T'es sûr, tu veux pas un boulot? Bah, ça dépend. Tu recherches pas du travail? Bah, si, j'ai besoin d'argent. Ah, bah voilà, bah ajoute-moi. Bah, tu me proposes quoi comme boulot? Tu vas faire du travail intérieur sur un lit, cuisine, tu as chocard. Oui, c'est ça, tu crois vraiment que je suis une pute toi pas aussi? Du tout. Hein. Non, c'est du travail de voirie. Ouais? C'est quoi la voirie? C'est quoi ces danses? Elles sont trop bien. Sur un trottoir. Ah ouais, c'est bien payé ou pas? Ouais, t'inquiète, c'est ultra bien payé. Oh, tu me gênes, masque? Vas-y, mon numéro, c'est le 555. Il t'a insulté, il t'a frappé, et maintenant tu donnes ton numéro. Non, mais alors, on aura tout vu dans cette planète, on aura tout elle vu. Elle est touchée, ben alors, mais de toute façon, petit œuf, comme je parle avec un mec là, il y a un mec avec qui je dois pas parler, je sais que tu vas tout faire pour qu'on arrête 78, de se parler. 84. Je te rappelle, c'est qui lui a mis un coup d'extincteur dans sa main, hein? Vas-y, vas-y, sors ton couteau et crève les pneus à Missy, à Mossy, s'il te plaît. Non, fais pas ça. Là. Mais j'ai pas couteau. Oh, fais pas mais ça si, parce c'est que bon, je sors mon gun, je t'appelle quand tu veux du coup pour te mettre sur le trottoir. Salut monsieur Demi Matrix, ça va, mais vous pas du tout bien. Par contre, je suis pas une pute. Ça va super hein. Madame, vous êtes opportuni? Oui, il dit que je suis une pute. Pas du tout. Ah. C'est que la voirie. Il veut mettre sur un trottoir. Monsieur, je peux savoir ce que vous foutez au milieu de la rue avec votre cul là? Pas moi. Et vous enlevez votre cagoule de clown. Je peux pas, j'ai une raison médicale. Oui, je peux la voir. Ah mais je l'ai pas, mais par contre votre supérieur là, normalement l'info est passée. Ah oui? C'est quoi la raison? Oui, non, la raison médicale. Oui. J'ai une ordonnance, je sais pas, il faudrait demander ça. Quelle est la raison pour laquelle vous mettez une cagoule en laine, monsieur? Problème hein, par rapport au soleil et tout ça. Il a un problème d'UV. Mais vous êtes métisse? Et alors Vous pouvez pas avoir de problème d'UV quand vous êtes métisse, c'est impossible. Bah non. Il est pas métisse. Regardez sa couleur de peau, regardez la mienne. T'as un blanc. Il est pas métisse. Je suis câble. Bah non, justement, mais, encore mais, moins mais normalement, problème, l'info est passée, hein. Normalement l'info est passée. Mais pas de problème, moi je si vous avez un contrôle. Il faudrait l'avoir sur vous en fait, parce que dire qu'on en a un et qu'on ne le voit pas. Donc allez faire une copie. Je veux pas voir. Monte espèce de fils de pute. Moi je vous présente ça moi du coup. Oui d'accord, ok d'accord. Ouais Mighty. Quoi lui? T'as dit quoi Marrache? Au revoir. Je sais pas ce qu'il a dit. J'ai rien dit. Hein. Ouais, j'ai dit arrache-toi. Okay. Toi, arrache-toi, ouais. Connard, toi, arrache-toi. Toi, arrache-toi. Vas-y, va. Toi-même, arrache-toi. Ouais, dis-moi, tonton. Non, bonne nouvelle, tu as enlevé ton bracelet? Non, tu vas le garder. Let's go, le bracelet, quoi? Il y a une bonne nouvelle pour toi et il y a une mauvaise nouvelle. Tu veux commencer par laquelle, la bonne ou la mauvaise? Peu importe. Ok, je commence par la bonne. Je suis mis à pied pour toi. Je suis mis à pied. Enfin, mis à pied toi, ça veut dire. Je suis mis à pied donc. Pour l'instant, t'as encore un peu de temps devant toi et t'as encore un peu plus de liberté. Pourquoi t'es mis à pied? Ouais, j'ai fait une heure au taf. Et la mauvaise nouvelle, c'est que tu vas me faire un couplet du coup là. Et la mauvaise nouvelle, c'est que. Quelqu'un s'est enfin occupé du dossier Daniel Hawk.
Je sais pas c'est qui. Tu mens beaucoup pour quelqu'un qui parle beaucoup. Daniel Oak. C'est pas le... Ah ouais, c'était un grand Décrypse, effectivement, tu te souviens bien. Ah ouais, je me rappelle de lui, ouais. Mm. Ça fait longtemps, hein. Il devient quoi? J'hésite entre... Je sais pas. Il est au frais. Ah, il est au frais, ouais. Il est parti en Alaska. Putain, il est bien. Enculé, il aurait dû m'appeler. Il est au frais avec un trou entre les deux yeux et une jolie petite marque au couteau sur le corps. Aïe. Quand est-ce que tu vas passer aux aveux un petit peu? Parce que je sais pas si t'es au courant, mais j'étais quand même lieutenant de police. J'étais capitaine avant. Ouais, et je sais. Si tu sais un petit peu à quoi ça sert ces grades-là, c'est que j'avais un accès totalement libre dans les dossiers. Et les informations confidentielles aussi. Ouais, je capte, hein. Non, mais je sais pas, hein. Quelqu'un s'est occupé de lui, je sais pas c'est qui, moi. Quelqu'un s'est occupé de lui, et en plus de s'être occupé de lui, il a signé. Il a signé? Et quoi? Ouais. Trois lettres. Trois. RIP. Zéro. Six. Non, c'est trois chiffres plutôt. Excuse-moi, je me suis trompé. Putain, ça veut dire bon. Ouais, mais peut-être c'est un mec qui se fait passer pour un bled, ça veut rien dire ça. Écoute, j'ai une information sûre. C'est que ce mec-là, il nous avait filé une petite info sympa qui nous a permis une arrestation qui a mal tourné. Oh, et que je pense que cette personne s'est fait punir vis-à-vis de ça. Donc je pense que sincèrement, chez vous, il y a quelqu'un qui est un meurtrier et qui est sur le point de déclencher une guerre parce qu'il vient de retirer le père de trois enfants. Après l'arrestation, elle était de sa faute, hein. Il a merdé. Maintenant, il y a un mec qui s'est vengé, je sais pas, il a fait quoi. L'arrestation, elle était de sa faute parce qu'il a voulu bien faire en voulant atténuer des problèmes qu'il y avait dans vos quartiers de merde. Il a voulu balancer alors que c'était un putain de gangster. C'est ce qu'il a fait. Ouais. À une chose près, c'est que cette information, il l'a eu de quelqu'un d'autre. Il a fait que relayer. Et il a pas oublié de nous dire de qui il avait eu cette information. Donc bon. Il se pourrait bien que chez les 306, il y a un meurtrier qui soit prêt à déclencher une guerre parce qu'il n'a pas assumé le fait qu'il ait parlé à un supposé ennemi. Tu parles de quoi, là? Eh non, mais là, je sais pas de quoi tu parles. Je m'en bats les couilles. Tu parles de quoi? Non, mais là, clairement, là, en fait, là, tu essaies de me monter au crâne pour que je te dise le meurtrier, je le connais pas. Je te monte pas au crâne, mais il y a bien une chose que je connais avec toi, c'est que quand tu sais pas vraiment quelque chose, tu débites pas autant. Allez, descends. Tu veux savoir un truc? Vas-y, dis-moi. Si tu veux éviter qu'il y ait certaines choses qui fuitent, il vaut mieux de me retrouver le meurtrier. Et t'as pas très longtemps, t'as jusqu'à la fin de la semaine, avant qu'on passe à l'étape 2. Deboy vient en checks. T'es où? Checks. J'ai une galère de fou là. Attends, Deboy. Let's go, wesh. Let's go, frère. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime, les hommes. Que les hommes ici. Que les hommes. Ça veut quoi, Léa? Après une bonne nouvelle, après une nouvelle tragique, j'ai un contact munition qui peut nous fournir quand on veut pour des bas prix. Ah ouais, les gars, c'est comment là, des... smoke pod. Let's go, mon frère. Moi aussi, j'ai une bonne nouvelle. J'ai. Mais là. Ouais. Mais j'ai enfin soigné mon herpès. Oh, let's go, ça met bien ça. Donc c'est bon, les gars, pas de soucis. Et les hémorroïdes, c'est bon ou pas, masque là, c'est fini?
Non, ça pas encore, mais on peut se partager nos caleçons du coup, il y aura pas de problème de okay, d'échange de plaisir. Tu vois. Par contre, les gars, ah mais non, mon Hummer, il est dans le garage, j'avais oublié. Non. Oh, tu explique, faut que je te parle. Ah, ouais, clairement pas lui, mon hein. Cousin. Il était là, mais là mais... il est tout. Oui, faut que tu racontes l'histoire des grenades ou quoi. Ouais. Grenade. Oh non, ah oui, j'en ai marre des grenades. Et oui, attends, mais aussi appelle Domino le plus rapidement possible, tu à travers la mauvaise nouvelle de la mort de King, bah tu vas avoir une bonne nouvelle. Mais attends, mais je crois que j'ai pas son numéro en fait à Domino. Je peux te l'envoyer. Dubois, dis-moi un speed ouais, parce que je vais aller à mon casting. j'ai un bon texte à faire. Vas-y, bonne soirée, on s'attrape après. Tu vas choquer. Attends, non, je peux participer moi aussi. Attendez, les gars, tout le cas, attendez, les gars, vas-y, attends, viens, viens, tout speed. Vous pouvez venir au casting, les gars, si vous voulez participer. Tu vas choquer. Quoi? Oh non, me dis pas que c'est pas. C'est qui m'a lancé une chaussure? Oh, c'est qui m'a lancé une tenne là? Aze, il a découvert le meurtre. T'as dit quoi? Aze là, le capitaine tonton. Ouais, dis-moi, Mike. Il l'a découvert. C'est un bail, mais tu connais de la foule, hein. Ils vont vous entendre. Il a découvert le bail qu'on a fait. Ouais, ouais. C'est là, ouais, les gars, ouais, les gars. Dans 20 minutes. Attendez, 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 on arrive, les gars, on arrive. Comment ça, on arrive? Écoutez que c'est moi. T'es sûr? Hein? T'es sûr que c'est moi? Mais comment ça? Et lui qui a... En fait, j'explique. Là, mon frère. J'avais un frère, je t'avais raconté l'histoire, oui, comme quoi il s'était fait arrêter et tout. Et ben là, en fait, je t'explique. T'as vu la Poucave? Le mec qu'on a tué, c'était une Poucave. Et la Poucave, en fait, c'était l'allié de Aze. Mais là, on est baisé, ça veut dire. Et là, il m'a dit quoi? Il m'a dit... Et je dois le dire à tout le quartier. Il a dit quoi? Il a dit que ça va déclarer une guerre. Mais comment ça? Il a dit que là mon... Il a dit que le meurtre, il sait que c'est moi, il en est persuadé. Il a pas les preuves, mais il en est persuadé. Parce que la Poucave, avant qu'on la tue et qu'on la jette, eh ben il a parlé, fils de pute. Il faut qu'on se mette d'accord sur une version, on a rien fait, nous. On n'est pas là-dessus. On n'est pas là-dessus, frère. Eh, tout speak. Si Aze, il te parle... Le Pookie entre quartier de guerre et tout, elle le croit pas. Elle croit que moi. Ouais, mais... Il va essayer de te tourner la tête. Mais je suis au courant, j'ai rien fait moi. Je t'ai pas aidé, hein. Tu m'as pas aidé. Et t'as rien fait non plus, hein. T'inquiète. On a pas fait ça, frère. Putain, faut que j'aille à mon casting, frère. Attends. Ça va, si, frère. Attends, allô, Kylie. Oui, ça va et toi? Ouais, ouais, c'est... Ça va, vos mères les putes? Ma voiture. Pardon. Tu veux un venu au casting? Ouais, vas-y, vas-y. Sur la Fox, y a quoi? Et ça a commencé dans pas longtemps, donc là, taisez-vous là. Taisez-vous. C'est bon, ça lance. J'en prépare un. C'est lancé. Vas-y, mon pote. Allez, lancé. Vas-y, MASK, passe. Vas-y, MASK. Ouais, MASK. Taisez-vous tous, c'est bon. Faites du bruit, les Bloods là, faites du bruit. Ouais, bien sûr, sans hésiter. Très bien. Centrez-le. Alors, mets-toi bien au milieu. Ouais, on va commencer. C'est bon, je présente bien la caméra. Normalement, d'habitude, je présente ouais, bien. C'est parfait. C'est bon la caméra? Ouais, c'est très bien. Très bien. N'hésite pas à parler fort aussi. Je parle fort, très fort. Très bien. Bah, déjà, premièrement, bienvenue. Ah bah merci, Loulou. On va ça, de ça, ça va être en rafale. On va t'écouter un petit peu, donc nom, prénom, etc. Tu nous expliques un peu de ta personnalité. Alors, je m'appelle Mask, MASK, y'a pas de nom prénom chez moi, tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens en ville, ils me connaissent sous ce pseudo, Mask, tu vois ce que je veux dire? Je suis une star, de toute façon, Smoke Dog, tu me connais, les Bloods, vous me connaissez, faites du bruit! Ouais, c'est lui qui a failli me faire flop la tête de ma mère, je vais te faire manger. Oh, j'aurais trouvé mes habits. Putain, je voulais. Et voilà, du coup, moi, les gens me connaissent comme ça, j'ai 24 ans. Et on peut dire que je suis en place dans le game, quoi. Je pense que les gens seront contents de me voir à l'écran. Ah, mais vos gueules derrière. Très bien. C'est quoi tes ambitions? Tu penses apporter quoi de plus à la télé-réalité? Alors moi, faut savoir que je suis un vrai chatter, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, moi, toutes les femmes, elles viennent normales dans mon lit. Donc déjà, pas mal d'histoires comme ça, tu vois ce que je veux dire? Des trucs qui plaisent à l'écran. Des trucs que les ménagères de 50 balais, elles aiment bien, tu vois ce que je veux dire? Ça, et en plus, encore une fois, la musique... Donc moi ça peut apporter un petit projet professionnel à faire bien évidemment.
Et aussi, j'aime bien les embrouilles, les trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire, t'as capté. C'est-à-dire, moi, j'ai pas peur de me mouiller. Je peux dire, je suis ton manager. Je vois. On va te faire une mise en situation et on verra bien ce que ça donne. Vas-y. Ouais. T'expliques, tu vas lui faire la mise en situation. Attends, je suis en train de noter, tu connais. Attends. Vas-y, je vais la faire. Vas-y, Scar. Écoute, petite mise en situation. Imaginons là, t'es dans la villa. Et je sais pas. Ça essaie de te prendre ta chambre et ça te tèche de la chambre. Tu fais quoi? Ouais. Comment, ça me tèche de ma chambre. Mon gars, je reviens avec une petite batte de baseball. Je vais vers lui, j'ai dit hey, fils de pute, va niquer ta mère. Tu te prends pour qui? C'est qui je suis ou pas? Okay. Tu vois ce que je veux dire? Profil intéressant. Là. Et après, je le balaye sa mère et je lui crache à la gueule. Un manque de respect. Tu devrais demander quoi sur tes QD et candidats. Bien sûr, moi je suis là pour manquer de respect. Masque. Ouais. Tu peux nous faire une blague? Tu veux une blague? Ouais. Comment on appelle un dinosaure qui joue au loto? Je sais pas. Un tirage au sort. Il est fort. Très bien, mon bassin. Tu vas nous donner ton numéro. Donc, on t'écoute. Ouais, bien sûr. Eh, les Bloods pour le numéro. Ouais. Non. Bon, c'est pas grave. Vas-y, c'est. Attendez. C'est. 742 146 97 84. J'ai un numéro d'ancien. Très bien. C'est noté, les gars. Attends, 742 146 ? Ouais, et après 97-84. Ok, parfait. C'est bon. Très bien. Bah, on te remercie. Ouais, on t'appellera d'ici peu. Vas-y, pas de soucis, à bientôt la famille. Sorti par la droite, s'il vous plaît. Bientôt. Eh, c'est moi. Monsieur. Vous m'avez fait soif, bande de fils de pute. Hein. Je vous retiens, la tête de WAM, je vais vous enculer un par un. C'est pas moi. Tu vas rien faire, enfoiré. Très bien. Bienvenue. Bienvenue, merci, vous aussi. Le quatrième membre du jury, Cleaver. Ouais. Dis-nous en plus, c'est Bintou, c'est bien ça? Oui, moi, c'est Bintou. Très bien, bah, on te laisse te présenter comme ton collègue. Moi, c'est Jacobi, on me surnomme Bintou. Et j'ai 22 ans. Et voilà. Cleaver, décale-toi en bas à droite. C'est quoi tes ambitions? J'ai mal à la tête. Yo, moi j'aime trop rigoler, j'aime trop parler avec des gens et j'aime trop faire des conneries. Wesh, enlevez ça, wesh. Ok. Les gars, vous avez des questions à poser? Attends, je suis en train de noter. Ouais, allez, les gars, on a 4 kilos ou quoi? Ouais, on est 3 notés. Très bien, Bintou. On va te demander de nous faire une petite blague. Ok. Ça c'est mon préféré. C'est quoi un trésor unique perché dans un arbre? Quoi? La crotte, je vais te chier dessus. Là, tu t'as fait méga, je vais vous faire de la drill, non? C'est quoi un trésor unique perché dans un arbre? Je sais pas, c'est quoi? C'est moi! Ah, c'est marrant. J'ai une mise en situation pour toi, Bintou. Oui? Imaginons que t'ouvres la porte pour aller aux toilettes, que Cassandra, je dis un prénom au pif, Cassandra n'est pas tirée la chasse, et que malheureusement une crotte flottante est dans ton toilette. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Eh ben, d'abord je fais caca, je tire la chasse, et après comme elle a laissé sa crotte, eh ben, je lui fais un dofi. Moi je mets un doigt dans mon cul et je lui fais renifler. Ok. Intéressant. Profil assez intéressant. Profil intéressant. Ton numéro, Bintou. Ok, mon numéro. Okay. C'est 939-495-98-59. Parfait. Tu peux nous faire une petite danse? Une petite danse? Ouais, pas de coup. Moi, c'est Bintou. Ouais. Bintou, Ouais. Pas mal. On vient. Souvenez-vous un peu, bande de cons. Très bien. Bon, on va te rappeler. Pas toi, en tout cas. Ok, merci. On t'en contact. Au revoir. Allez, au suivant. Soir. Allez, Doki, montre-nous. Voilà, Doki.
Salut les gars. N'hésite pas à parler fort, Doki. Ouais, ça marche les gars. Ouais. Ça marche, ça marche. C'est quoi ça? Dis-nous en plus, Doki. Présente-toi. Bah, moi c'est Doki, 20 ans, je viens de Northwood. Dédicace au 306, les gars, on est ensemble. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est des bâtards. Très bien. Alors, Doki, tes ambitions? Pour l'émission, c'est ça? C'est ça. Alors c'est moi, j'ai comme ambition d'être le roi des problèmes. C'est-à-dire qu'avec moi, je vais ramener un carnet où je vais noter par ligne tout ce qui est problème. Je vais avoir un petit emplacement dans la villa où je convoquerai toutes les personnes. Je vais essayer de faire des problèmes à droite, à gauche pour donner du goût à l'émission. Moi aussi, arrête avec tes chaussures, va te faire foutre. Le tchoupeur. Pas que, hein, j'ai encore bien plein d'autres ambitions. Ça bon. Ça pas très intéressant. Je note ça. Ok. C'est qui lui? La sécurité, vous faites quoi là? Il y a une personne qui vient de rentrer. C'est qui lui? Eh, monsieur. Derrière les barrières, s'il vous plaît. Derrière. Sécurité. Vous avez dit pas très intéressant. Sécurité, bonsoir. Ouais, bonsoir. Il s'agirait de sauter le mur, le petit mur, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, ouais, après, t'inquiète. Okay. Vas-y, bien vu. On va te faire une mise en situation, je pense. Non, mais de Cleaver. Non mais tout de suite. Ouais, je te fais une petite mise en situation alors. Vas-y. Alors, t'es dans ta chambre. Ah, du quoi? Ouais. Et t'ouvres la chambre et devant toi y a un mec qui te met un coup de batte de baseball. Ouais, c'est vrai. Comment tu réagis? Comment je réagis? Bah moi vu qu'en fait je suis un vicieux, en fait je vais laisser passer le truc et je vais agir le lendemain dans la soirée pendant qu'il dort. Je comprends pas. Je vais lui faire sa fête. Tu vas lui faire quoi? Bah ça dépend, soit je ramène un verre d'eau et je mets son doigt dedans, comme ça il se pisse dessus et après il se tape la honte. Soit pendant qu'il dort je lui coupe les cheveux, soit carrément je le plante hein. Attendez deux secondes, la personne qui parle à droite qui s'est introduit, vous pouvez parler moins fort s'il vous plaît? Avec le t-shirt vert, tu peux pas parler moins fort, on t'entend? Ferme ta gueule s'il te plaît. Dion! J'aime bien, Vas-y. Pas mal. On va te demander ton numéro. Mon numéro de téléphone? Ouais. Ah bah je vous donne ça les gars. C'est le 555-92-36. C'est noté les gars. Parfait. Ils vont jamais nous rappeler tout pour ça toi. Bon, on recontacte dans d'ici peu. Ouais, ça marche. Ouais, bonne soirée, je vous souhaite bonne soirée. Sortez sur la droite s'il vous plaît. Calme à toi. Et c'est pas l'intérim, ils vont te lâcher pour toi. Sur la droite. Yo, salut. Ben. Oh non, pas lui. Oh, et c'est Scar. Ouais, c'est Scar. On cherche un autre mon gars. Ça, c'est comment? Putain. Ça dit quoi l'équipe? Ben. Tranquille, toi. Parfait, parfait. Dis-nous en plus, présente-toi, Scar. Mon gars. Moi, c'est Scar. Ça vient de Northwood, mon gars, tu le sais très bien. Tu vois, Ion Six, ça représente le gang, ça représente la famille. Et si je viens ici, tu connais. Eh, c'est pour intégrer la villa. On m'a dit qu'il y avait des meufs, elles étaient siliconées, mon gars. Eh, je suis chaud, mon gars. Je suis chaud, voilà, patate, mon gars. Voilà le gars. C'est pas des rumeurs, c'est pas des rumeurs. Ah, mon gars. Maïska. Profil intéressant. Tu as un petit freestyle à nous poser juste avant? Tu veux un freestyle? Ouais. C'est possible, en direct là? Comme ça. Ouais, un petit truc de 10 secondes. C'était pas chaud. Non, je pense qu'il est chaud. Mon gars, t'es chaud. Sur ça, mon gars, tu crois c'est quoi? Tu comptes partir. Attends. Viens, allez, Scar, montre-nous. Scar, montre-nous. Ok. Ok, ça arrive. Putain de merde. Allez, Scar. Il est long. Temps arrivé, hein. Ok. Bon, Scar. J'arrive dans la Maybach, ça paie en Louis Vuitton, carré belvé en vrai, j'ai tout claqué pour un frère, chiche. Coup de quiche tape dans la tête, Scar. Un piqué, je la mets en pète, ouais. La big craft dans les buckets, ouais. Ah ouais. On arrive dans ton check sans Benz. On arrive, t'as été en train. C'est bon. Spoil pas le son. Pour Scar ou pas? Ouais, j'en ai une. Vas-y. J'en avais une aussi, mais vas-y. Vas-y, moi je te laisse. Vas-y. Imaginons que t'es serré une petite femme siliconée, comme tu dis, dans la villa. Ok, d'accord. Ok. Et que par hasard, je sais pas, imaginons qu'un Crips ouais. qui participe également à la villa des gangs, saison 1, tu rentres dans ta chambre et tu le vois avec cette dame. T'agis comment?
La petite réaction, c'est quoi là? Ouais. Ce fils de pute sur la machette. Comme en 2007 où ils m'ont chopé à l'arrêt de bus dans ce bout de gare, mon gars. Je l'ai chopé ce fils de pute. Coup de machette comme ça. Bah que la drill. On aime, on aime, on aime. Pardon, pardon, pardon. Range, 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 range. Ton numéro s'il te plaît, Oscar. Mon numéro de téléphone. Je gère, merci. T'es prêt ou pas? 4, 1, 7, tirez. 7, 2, tirez. 9, 3, 7, 9. Ouais, t'inquiète. En vrai, c'est dommage. C'est bon, j'ai bon, tu l'as noté ou pas? Ouais, c'est parfait. Ça, c'est ok, ça. Nickel. C'est cadeau, quoi. Bon, on va attends, tu peux me rappeler ton âge? Moins? Ouais. 20. Parfait. C'est carré, Guy. Ventilation. Vas-y, merci, la famille. Tout est bon. Sorti, c'est pas pareil. Ah, si, c'est pas pareil. Vas-y, Stain. Let's go. Vas-y, Stain. Yo, les gens, ça va être le flop, lui. C'est ça, c'était une autre personne. Attends, là, c'est mets-toi bien au milieu, Stain. Vas-y, nickel. C'est bon, là? Très bien, très bien. Tout d'abord, bienvenue. Bienvenue à toi. Ouais. Alors, tu sais très bien commencer. Hein. Tu vas te présenter, du coup, on va t'écouter. Ok, ok. Donc, moi, c'est Stain. Je viens de Northwood, Tier 6. Vous connaissez. Qu'est-ce c'est que pas je fais intéressant. Dans la... Ouais, ferme ta gueule, toi, connard. Et du coup, ouais, donc moi dans la vie j'ai 19 ans, je suis en chômage, j'ai pas de thunes, je suis un ancien taulard, voilà. Bonne chance, Stain, je t'aime. Je gratte le cul devant la bonne caméra. Bonne chance. Ouais, ensuite. Donc, un ancien début. Taulard, comment ça, t'as fait quoi dans la vie? Moi, des petites bêtises, tranquille, rien de grave. Tu peux tout dire ici, en c'est ma, ah ouais. Je fais ma rédemption, je fais ma rédemption, y'a plus de problème. Stain, n'hésite pas. J'ai braqué des épiceries. Ah ouais, je note ça. C'est noté ça. Ouais. Ensuite. Et ouais, sinon ouais, de ça, d'une embrouille quand j'étais sous Rapta après une soirée, du coup ouais, j'ai cassé un verre contre quelqu'un. Donc en vrai ouais, des petits trucs comme ça, droite à gauche, ouais. Mais rien d'accord. De fou. J'ai le snap, j'ai le snap à la pluie. Ouais, tu te rappelles de boy. J'ai. C'est ça, c'est ça. Du coup voilà. Très bien, très bien. On va te faire une mise en situation. On attache. Je peux dire ce que je vais faire honnêtement. À la fin. Ah ok, vas-y. On va modifier un peu. Vas-y, y a pas de soucis. Le truc. Bref. Petite mise en situation. Ouais. Ça veut dire là, on t'envoie pour une petite mission. Petite mission, on te donne des pochons avant. Tu connais Villa des Gangs, c'est gang. Tu captes ou pas? Ouais, je capte. Très bien, très bien. Et là, t'es là, je sais pas, il y a des gens, ils te font des vices. Ça vole tes clients, il y a des rips, ils veulent te baiser. Ouais. Écoute, c'est simple, je vais dire un truc. Je suis à ma période de puberté, ça veut dire les poils, ils sortent vite. Ah, je fais des big pochetards de poils de Zub et je les revends. Quoi? Ouais, moi je fais un business de poils. Ah, de mais oui, j'en ai entendu parler de ça d'ailleurs. Ah, tranquille. Comme ça, le mec il est sous fonce D avec des poils de bite. Ça va ravager? Ça va lui faire de la beubard, peut-être la puberté elle va. Très bien, on va pas savoir. Très bien. Il est bizarre. Ok. Ouais, et la colle du cul, c'est que pour les 20 balles. T'as dit quoi, Smoke Dog? Les ambitions du coup. Mes ambitions, écoute, je vais te le dire clairement. Moi, je veux devenir le pote gay de tout le monde. Je veux devenir le pote gay de tout le monde, ça veut dire que je veux être ouvert, je veux être quelqu'un de tranquille. Et à la fin, quand les meufs, elles ont le cœur brisé, elles sont déçues. Elles disent putain, il m'a lâché ce connard, nanana, il est allé voir l'autre chien, nanana. Et ben, je la baise. Ok, Stain, j'ai une autre question. Ouais. Pourquoi toi et pas un autre? Pourquoi moi et pas un autre? Parce que je suis El Krakite de Tuor 6 et que vous allez rater une sacrée pépite si vous me ratez. Croyez-moi que l'alchimie, le gang, le ghetto, là, le bitume, il va puer chez moi, croyez-moi. Ok. Intéressant. Très bon. Bon. Votre contact. C'est parce que c'est un ancien taulard aussi, n'oublie pas. Soyez honnête, il est pas intéressant. Ferme ta gueule. Vas-y. 6-5-9. Ouais. Je vais tirer les cheveux et tout. Tirer 2-3-5. On fait des bêtises. Ouais. Tirer 4-2-7-6. Mais moi je vais faire la coche aussi. Parfait, tu peux me rappeler ton âge s'il te plaît. Ouais, j'ai dit non. Nickel, vas-y les G's, on se casse. Vas-y, je peux y aller. Ouais, qu'est-ce qu'il y a mon oxygène? Je peux te dire un truc. Attends, de moi, il revient, c'est pas ce que tu crois. Oh, je suis choqué. Parce que tu l'as tête. Non, je suis choqué, je suis choqué. Qu'est-ce qu'il y a mon oxygène? Tu sais, c'est qui la meuf en bleu là-bas? En bleu? Ouais. Où? Tu vois pas masque, il est. Oh, le masque, ah ouais, là, ouais, ouais, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Missy. Ah!
Et c'est qui, genre procès drôle? Ah. Ouais. Yo, oh, 7, ça gars. Va comment il dit? Ça va être mon rêve. Ouais, peut-être que ça 7, il va comprendre pourquoi c'est drôle. Ah, quoi, j'ai capté. Je te dis Skyrim ici. Skyrim. Ah non. Oui, il s'appelle Mask. Mask est ici. Vas-y, nique ta mère, ça y est. Oh, nique ta mère. T'es fou, quoi. Tu vas passer ou pas, 7? C'est quoi? C'est une émission en télé-réalité. C'est le casting. Je suis qui, moi? Je suis Julien. Je suis... Ah, attends, t'as le numéro de Ace. Ah, viens, mon fraté. Ouais, je l'ai, mais pourquoi tu le veux? Je t'ai posé une question. Je pense à ma voiture. Non, j'ai pas reçu. Ça veut dire quoi, ce Ouwou? C'est Bien le crack, imagine là, bon à la toi t'as quelques pochons, il y a un mec qui te les vole, tu fais quoi? Je fais de la drill. Montre-nous un petit exemple de drill, vas-y. Un freestyle. Ouais. Non, pas forcément, mais... Comment tu vas la drill? Dans quel sens? Dans quel sens tu veux? J'arrive, je vais le voir, je fais... Eh, comme il fait ce cas. Eh, okay. Eh, eh, ça. Et après, s'il te plaît, rends mes pochons, bâtard. Après, s'il veut pas, par contre, je l'attrape par les cheveux comme ça, là. Je lui tire les cheveux, j'ai dit, écoute-moi bien, bonhomme. Il n'y a pas d'héroïne en ville et moi, je veux me piquer. Moi, j'ai envie de me piquer dans les veines, ok? Et là, je suis sensible, toi, tu me prends mon crâne comme ça. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Intéressant. J'aime bien. Pas mal, pas mal. T'as pas mal de profils intéressants ce soir. Ouais, c'est pas mal, hein. Ton numéro, alors. Ouais, 5-5-5-9-9-4-7. S'il y a des gens qui m'énervent, je ferai du freestyle. Le putain, il est lent, ce l'est. Ok. T'as un petit freestyle à nous. Écoutez. Vas-y. Ouais, ils vont se cogner après. Ils vont se cogner. Tu sens le scorpion. On n'a pas peur de la rentrée. Ils sentaient le contrer scorpion. Je vais me piquer. Lourd. Ouais, c'est éclaté au sol. Écoutez ma blague. Ouais, des fous. Ils m'ont pas demandé la blague. Purement, ils m'ont demandé la blague. J'avais une bête de blague en plus. T'as envie, dis-moi. Attends, je te dis. Yo, regarde pas sur Google Traduction. De quoi? Regarde pas sur Google, yo. Dis Siri, raconte-moi une blague. Pourquoi les livres ont-ils toujours chaud? Coucou. Vas-y, réponds. T'as dit quoi? Pourquoi les livres ont-ils toujours chaud? Mais faut pas qu'on manque de respect parce que pourquoi les casseurs, les livres ont-ils toujours chaud? Parce qu'ils sont couverts. Presque. Couverture. Ouais, parce qu'ils ont une couverture. T'es chaud, fuyé. Mais ça, c'est une devinette. Pas une blague, bâtard, yo. Non, mais mes blagues, si. Non, mais là, tu mérites mon 46 dans la tête, toi. Aïe! Là, tu mérites, là. En fait, moi, c'est soit des devinettes, soit des blagues, mais racistes, genre. Donc, je peux pas. Yo, Rat, vas-y, que fait 3 femmes fontaines dans une pièce? 3 quoi? 3 femmes fontaines dans une pièce. Allez, c'est une bonne avec les gars. Oh. Mais non, yo, il faut une bataille d'eau. Voilà, c'était sûr. Mais laisse-moi, j'aurais pu deviner. Après, laissez-nous. Vas-y. C'est quoi un truc gros qui se balance de partout? Ma bite. Non. Un chewing-gum collé au cul de Tarzan. Oh, ça, je me rappelle ça. Oh, vous avez à boire? Vous êtes à boire? Ouais. Pourquoi Tarzan? C'est quoi le rapport avec Tarzan? Tarzan, genre, il s'escampe dans l'alien. Ah, ça me termine. Ivy, elle a un mot de passif, ils vont jamais la prendre. Elle est défoncée, jamais de la vie, ils vont la prendre.